Oui, je m'appelle Tao et je suis au laboratoire Structure et Instabilité des Génomes dans l'équipe de Jean-Baptiste Boulet au Muséum national d'histoire naturelle. Je vais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous présenter mon projet de recherche aujourd'hui. Donc, mon projet de recherche est un projet en collaboration avec le laboratoire de Vincent Croquette à l'ENS. Il se porte sur la formation et la persistance des structures G-quadruplex intramoléculaires dans un contexte double brin. Qu'est-ce que c'est que les G-quadruplex? C'est que dans le génome, les structures les plus présentées, les structures en double hélice, où les bases sont interagies par des liaisons hydrogènes de type Watson-Crick. Et dans des séquences répétées riches en guanine, avec des blocs de guanine consécutifs, minimum 4 blocs, séparés par des nucléotides entre les blocs qui forment une boucle. Et ces G-quadruplex, en fait, est formé par quatre guanines, un complémentaire de quatre guanines qui sont associées par des liaisons hydrogènes de type Watson-Crick et Houstine qui forment un G-quartet. Et l'empilement de ces G-quartets forme ce qu'on appelle les G-quadruplex. Ces G-quadruplex sont stabilisés par des cations monovalents comme le sodium ou le potassium. Des études bioinformatiques ont montré qu'il existe plus de 300 000 séquences qui a ces motifs répétés, qui peuvent former des G-quadruplex dans le génome humain et peut en fait localiser dans des régions spécifiques du génome, par exemple au niveau des télomères. De double brin et de 3' sortante qui peut former ces structures G-quadruplex, multimères de G-quadruplex. Elle peut également être présente. Ces motifs sont présents également dans des ARN messagers et la présence de ces G-quadruplex dans ces régions semble brin est favorisée. Mais elle peut également, ces motifs sont également présents dans des régions double brin. Au niveau, par exemple, de l'ADN ribosomique, des origines de réplication, ou au niveau des promoteurs des gènes comme les oncogènes. Et ils sont présents environ 50% de ces promoteurs. Donc, vu la surreprésentation de ces motifs G-quadruplex dans des régions spécifiques du génome, ici suggère en fait des rôles importants de ces G-quadruplex dans la dynamique. Et des études indirectes au niveau sur les mutations de ces motifs ou sur les ligands qui stabilisent ces structures ont montré que la formation de ces G-quadruplex au niveau des promoteurs, par exemple, affecte la transcription, l'expression de certains gènes, leur formation au niveau des télomères pourrait inhiber l'élongation des télomères par la télomérase, ou leur formation au niveau de l'ARN messager peut affecter la traduction de l'ARN. Également, ce que j'ai dit, c'est que ces G-quadruplex sont très très stables et elles peuvent, une fois formées, elles peuvent constituer un blocage pour la réplication ou la traduction ou la transcription. Et donc, ces G-quadruplex, leur formation est favorisée dans des régions semblables, dans les le brin, donc au niveau des promoteurs, un modèle qui est suggéré, c'est que leur formation nécessite une ouverture du double hélice pour former ces structures de G-quadruplex durant, par exemple, des processus comme la réplication de l'ADN ou pendant la transcription. Et donc, des études de thermodynamique
ont montré leur formation stable, mais plutôt avec des séquences synthétiques sans le brin, dans la plupart des cas. Des études aussi en single molécule qui ont montré leur stabilité en simple brin, mais on ne connaît pas la persistance de cette structure. Il y a quelques études de single molécules en fret qui ont montré qu'ils peuvent former des G-protéines complexes en double brin. Par contre, il n'y a pas de données quantitatives à la persistance, le temps de persistance de ces structures G-protéines-complexes dans ce contexte double brin. Donc, du coup, on peut se poser comme question, est-ce que cette stabilité thermique étudiée en solution, en bulk, est-ce qu'il représente bien la dynamique des G-quadruplex in vivo et comment ces G-quadruplex sont formés et persistés dans un contexte d'ADN double brin. Donc pour répondre à ces questions, on a développé en molécule unique un système en molécule unique pour visualiser directement et en temps réel la dynamique de ces G-quadruplex dans un système de transition simple brin et double brin. Donc pour cela, on a utilisé des pinces magnétiques qui ont été conçues dans le laboratoire de. Donc, une pince magnétique, c'est un microscope inversé. Vous avez le LED qui traverse l'échantillon et au sud de l'échantillon, c'est les deux aimants. Les aimants permet en fait d'exercer une force sur la molécule d'ADN. En dessous de l'échantillon, on a l'objectif du microscope qui est relié à une caméra qui permet de traquer la position de la bille. J'ai une vidéo qui doit passer. Je vais vous montrer une vidéo. Vais passer comme ça. Donc là, c'est juste une vidéo pour vous montrer. Là, on a en fait des fragments qu'on ligue à des adaptateurs qui permettent de relier une extrémité avec une bille magnétique et de l'autre côté qui permet de fixer sur une surface. Donc, en approchant les aimants de la surface, on arrive à exercer une force sur les billes pour l'ouverture et fermeture de la molécule en hairpin. Il est composé d'une entrée et une sortie qui permet d'injecter une centaine de billes sur la surface et lui fixer une centaine de billes. Et donc, sur une surface, on peut observer et suivre l'extension de la bille sur une centaine de billes en même temps. Voilà. Et donc, à quoi consiste notre système? Comment on peut détecter la formation de G-quadruplex dans ce contexte d'ADN double brin? Donc, pour détecter le G4, donc on a appliqué des cycles de force. Qui constitue de trois phases. Phase 1, qui est une phase avec une force qu'on appelle force d'ouverture, qui permet d'ouvrir le hairpin. Donc, le hairpin est sous forme de simple brin, qui permet en fait d'injecter ici des oligos qui s'hybrident au niveau du boucle du hairpin. Et cette boucle du hairpin permet en fait de retarder la fermeture du hairpin en phase 2, qui est phase intermédiaire. On a une force à 7 piconewtons. Cette
Passe Force, en fait, elles sont censées refermer le hairpin, mais en présence de l'oligo, cet oligo va permettre d'avoir un intermédiaire au sein du brin qui favorise la formation du G-quadruplex. Si le G-quadruplex est formé, le G-quadruplex peut également bloquer la fermeture du hairpin qui donne une extension de la molécule qui est autour de 0,4 micromolaire. Un micromètre. Et à une troisième phase qui est une phase de fermeture où on a baissé la force à 2 piconewtons, cette force basse permet de refermer complètement le hairpin et encercler le G-quadruplex dans un contexte d'ADN double brin. Cette molécule a une extension de 0,0 micromètre et qui est, en fait ne peut pas distinguer entre la formation de G-quadruplex ou sans G-quadruplex. Mais comment on peut savoir si le G-quadruplex persiste dans cette conformation, enfin, dans cette d'ADN double brin? C'est qu'au cycle suivant, on voit également le blocage au niveau du G4. Donc comment on peut le voir sur une trace d'extension des molécules. Ici, vous avez quatre cycles de force et là, vous n'avez pas de formation, vous avez juste l'ouverture du hairpin et la fermeture du hairpin. Dans le deuxième cycle, vous avez l'oligo qui est bloqué au niveau du... On t'entend plus. Là, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'entend là. Pardon. Là, l'oligo est bloqué au niveau du boucle qui permet de retarder la fermeture du hairpin à la force intermédiaire. Ici, on a le G4 qui est formé et donc un deuxième blocage qui correspond à le blocage du G4. Et quand on baisse la force, il est encerclé puisque au cycle suivant, on voit que le G4 persiste sans besoin du blocage de l'oligo. Donc ici, on a regardé différentes conditions. Alors, on t'entend très mal. Ici, le 4 en question. Ah, pardon. Là, vous m'entendez mieux? Oui, je pense qu'il y a une question de micro là. Oui, c'est bien là. Ah, pardon. Et donc, en KCl à 100 Tao, millimolaires. Tao, coupe ta caméra, c'est un problème de Wi-Fi, je pense. Coupe ta Ah, caméra. d'accord. Je reviens sur... Moi, je peux faire. Attends, arrête. Ah, vous pouvez le faire comme ça, je vais. C'est en bas, à gauche. Attends, j'essaie. Peut-être je le fais. Je fais ça. Voilà. J'ai coupé ta vidéo. Ok, c'est OK. bon. Donc, on a testé ici la présence de G-quadruplex dans les différentes conditions de Dion. En KCl 100 millimolaires sans oligo qui permet de retarder la fermeture du hairpin. On a ici le cycle de force en rouge et les traces d'extension de la molécule. Donc, sans oligo, on a juste l'ouverture et fermeture du hairpin. Donc, on n'a pas de blocage au niveau du G4. En présence du LICL 100 millimolaires et en présence d'oligo, on voit ici, c'est qu'on a le blocage avec l'oligo au niveau de la boucle.
mais on n'a pas de deuxième blocage qui est dû aux formations du GCON-OPEX. En présence de KCL plus oligo, si, pour cette séquence-là, on a le blocage de l'oligo, un deuxième blocage qui est dû à la formation du GCON-OPEX et un blocage qui est dû Donc, on a les trois blocages en KCL plus oligo. Ici, je vous représente un exemple avec la séquence scénique, qui est une séquence du promoteur de l'oncogène scénique. Et dans cette séquence, en fait, il contient cinq blocs de G consécutifs et des boucles très courtes de un nucléotide. Cette séquence, en fait, forme des GCON-OPEX très stables en thermodynamique, qui est presque 80 degrés en TM. Et on voit qu'avec ces séquences, ici, vous avez les traces en fait, présentées sur une expérience en entier de 80 000 secondes, et qui est en fait presque 24 heures d'expérience. Ici, vous avez j'ai zoomé ici les différentes extensions. Ici, on peut en fait repérer les différentes extensions. Donc, le blocage par l'oligo qui est en vert, le blocage par le G4 qui est en rouge, présenté en rouge, et quand il n'y a pas de formation de G4 en bleu. Et sur cette trace, on peut calculer le temps de persistance, qui est le temps où le G4 persiste tout le long, le temps de persistance en rouge, et le temps de formation, c'est tous les temps passés en sable brun avant la formation de G4 complexe. Tao, il te reste 3 minutes. Ah, pardon. Ici, on a les différentes séquences que j'ai testées, donc une séquence télomérique du promoteur et origine de réplication. Au niveau des télomères, donc, on a des séquences répétées avec des boucles de 3 un nucléotide, un CKID2 et un CMYC, et une origine de réplication qui a un polygé qui forme en général des intermoléculaires. Donc en KCL, on a vu qu'on a un temps de formation qui est très rapide pour le scénic et l'origine de réplication, et un temps de persistance qui est très long, plus de 9 000 secondes. Pour le CKIT, qui a une boucle longue au milieu, qui allonge beaucoup le temps de formation et diminue 2 fois le temps de persistance. Pour la séquence télomérique, c'est le plus dynamique où on a un temps de formation plutôt rapide et un temps de persistance également très court. Pour la plupart de ces séquences, en LICL oligo, ça ne forme pas de G4, mais pour ces deux G4 qui forment très rapidement, ils peuvent également former un G4, mais avec un temps de formation qui est beaucoup plus long qu'en KCL, et également il est un temps de persistance plus court. Et sans présence, ce qui est intéressant ici, c'est que l'origine de réplication, c'est le seul qui peut former des G4-complexes sans besoin d'oligo, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par un intermédiaire, qu'il ne passe pas par un intermédiaire sable-brun. Donc, il y a deux hypothèses pour cette origine de réplication. C'est soit qu'il se forme à haute force quand on tire sur le hairpin, ou il se forme à basse force quand l'ADN est en double brin. Et donc, sur cette origine de réplication, il a été montré dans le papier de Walton que cette origine de réplication permet contribuer à l'initiation de la réplication. Ils ont fait également des mutants qui montrent que la probabilité de formation de G4-OPEX est corrélée avec une activité de l'initiation de réplication.
Et ce qu'on a, ce que j'ai testé ici, c'est les deux mutants qui a le plus, qui a une probabilité de formation plus bas, entre 0,1 et 0 en probabilité. Et on voit que en mutation, on augmente le temps de formation et diminue le temps de persistance. Ce qui est intéressant ici, c'est la position 16 où on a muté un A au milieu du tract qui permet plus de former trois quartets de guanine. Il ne peut pas, probablement former que deux quartets qui diminuent fortement son temps de persistance. Oui. Pour conclure. Oui. Pardon, excusez-moi, parce qu'il y a des problèmes techniques. Bon, j'ai testé le nombre d'unités de G-quadruplex et ça, c'est pour résumer, en deux unités, on augmente la probabilité de formation et le temps de persistance n'est pas changé. J'ai aussi testé les anticorps et les ligands, l'effet de ces anticorps et ligands sur, sur la formation du G-quadruplex en temps de persistance et temps de folie. Et on a vu que les ligands aussi... les ligands en induction de la formation du G-quadruplex diminuent fortement le temps de formation et augmentent le temps de persistance. Et donc, et également pour l'anticorps, ça fait le même effet. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir ici, c'est que, j'ai testé en fait les trois types de G-quadruplex, donc un en origine de réplication, qui en fait forme très facilement et a un long temps de persistance qui permet en fait de former ici un ancrage qui pourrait répliquer, qui pourrait recruter en fait des prêts complexes de réplication qui contribuent à son fonction biologique. Au niveau des transcriptions, on a des temps qui est plus variable et qui crée également des G-quadruplex qui est assez long pour pouvoir recruter les facteurs de transcription. Par contre, au niveau des télomères, dans les régions double brin, on pense qu'il est peu probable qu'un simple G4 pourrait avoir un effet poser un problème pour la région du télomère. Il est probablement, il peut en fait former au niveau du 3' overhang. Donc en perspective, en fait, sur des séquences, on dit des G4 faibles, on peut étudier l'effet des agents stabilisants comme les facteurs de transcription ou les ligands G4 sur leur dynamique de formation et de persistance. Et sur ces G4 qui persistent dans la réplication, qui peut poser des problèmes aux réplications et transcriptions, on peut utiliser ce système pour regarder le mécanisme d'interaction entre les moteurs moléculaires comme les hélicases ou les polymérases sur cette dynamique. Je passe tout ça juste pour remercier donc mon équipe et notre collaborateur Vincent Croquette d'Epixus et mon financement ANR et financement individuel Marie Curie pour financer mon salaire. Et oui, et c'est tout. Merci pour votre attention. Désolée d'avoir dépassé le temps. Non, c'est pas grave. Merci. On a donc un peu moins de temps pour les questions, mais on va commencer tout de suite. Geneviève, tu as une question? Oui. Oui, j'avais une question. Vous avez mentionné uniquement les G4 dans l'ADN, mais les G4 peuvent se former aussi avec l'ARN, avec les mêmes types de séquences. Donc, je voulais savoir si vous pensiez étudier ça, voire même, il y a des séquences bien connues comme les télomères, où il y a des triplex qui se forment, en fait, entre ADN et ARN, avec aussi des protéines dont on sait qu'elles lient les G4, comme la protéine HP1. Donc voilà, je voulais savoir si vous allez étendre cette étude à toutes ces thématiques, on va dire, de triplex et d'interacteurs de type hétérochromatine. Oui, c'est prévu. Après, l'ARN du G4 est encore plus stable que l'ADN, mais dans ce système, ce qu'on veut favoriser, c'est de... c'est d'étudier plutôt l'ADN parce qu'on a un système qui permet de
mimer un petit peu ce qui passe dans des régions double brin de l'ADN. Mais oui, on peut tout à fait utiliser ce système pour étudier d'autres structures triplexes ou émotifs. Ou émotifs, c'est des structures qui sont en fait formées par le brin C, qui est le brin complémentaire au brin G. Donc, ce brin C peut former aussi une structure à quatre brins qu'on appelle émotif. Et on peut également, agrandir en fait ces interactions que je vous ai montrées avec les moteurs, avec les protéines, à des complexes protéiques. Oui, j'ai pensé à un complexe du pré-réplication pour cette origine de réplication, mais on peut tester beaucoup d'autres protéines, bien sûr. Merci. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si pour en répondre. Oui. Matin, Annick a parlé de SNP et je voulais savoir. Je ne sais pas si on sait des choses sur les SNP et dans les G quadruplex. Est-ce que ça déstabilise? Enfin, est-ce qu'on sait ce qu'il y a des données sur les SNP de maladies associées à des maladies et des G quadruplex? Qu'est-ce que vous parlez par des SNP? Les single nucleotide polymorphisme, c'est-à-dire des mutations. Des mutations qui en général sont associées à des maladies, enfin, on en trouve, c'est ce que disait Annick ce matin, alors qu'aurait un rôle fonctionnel immédiat. Ça, est-ce que ça déstabilise? Est-ce qu'on sait faire des mutations comme ça dans les G quadruplex et voir leur temps de. Oui, ce que j'ai commencé, c'est de regarder l'oxydation du guanine sur ces séquences G quadruplexes. Et l'oxydation, comme ces séquences sont très riches en guanine, et donc lorsque des stress oxydatifs, ça peut oxyder les guanines du motif, et ça affecte fortement le temps de formation et le temps de persistance de CG4. Et aussi, il y a des données récemment qui ont montré que ces oxydations, surtout au niveau du promoteur des gènes, peut en fait réguler l'expression de certains gènes. Donc, il peut avoir un rôle d'épigénétique pour la régulation des gènes. Voilà. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on va s'arrêter là. Merci. Merci.